Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver avec mes chroniqueuses préférées pour cette nouvelle émission de HP Hour, c'est le numéro 58. On est le 7 mars et donc ça veut dire que demain, si tout va bien, on est le 8. Ouais. Le 8 mars, les filles, c'est la journée mondiale de la femme. Donc c'est votre journée, profitez-en, il n'y en a qu'une. Voilà, on va démarrer cette émission avec les chroniques de nos invités. Élodie, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc moi aujourd'hui je vais vous proposer de relooker vos vieilles chaussures. Mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Et puis, c'est-à-dire que là, on sort quand même de l'hiver, il va falloir qu'on se remette au sport. Ouais. Parce que bon, moi personnellement j'ai un peu pris. Donc Elena revient nous parler un petit peu de sport et de quoi on va parler comme sport. On va parler tennis. Ok. Donc dans quelques instants, chaussez vos baskets, chaussez vos raquettes, une ça suffit parce que voilà. Et on parlera tennis tous ensemble. D'ailleurs j'ai envie de dire, pourquoi attendre pour se faire plaisir? Non, n'attendons pas, on n'a qu'à y aller tout de suite avant qu'il fasse moins 15 dans ce plateau. Car on vous avoue que le printemps est là, mais pas sur le plateau d'HP Hour. C'est parti, juste après ce petit jingle, ce sera la rubrique d'Elena. Alors Steve, on avait parlé de squash la dernière fois. Oui, je me rappelle. Voilà, donc là on va parler tennis, qui est un sport quand même assez proche, mais pas tout à fait pareil. Est-ce que vous avez déjà joué au tennis? Oui. Comme ça, pour rigoler quoi? Non, moi dans un club. Ah, carrément. Bon, attends, j'ai duré 2 mois, et c'est pas mal quand même. Je savais pas ça. Et non, moi pas du tout. Le principe, donc ça se joue soit à 2, soit à 4. Donc quand on joue à 2, ça s'appelle un simple, quand on joue à 4, ça s'appelle un double. Donc on a évidemment sur le terrain des lignes blanches à ne pas dépasser, selon si on est en double ou en simple. Voilà, donc c'est évidemment une raquette avec des cordes à la verticale et à l'horizontale. Donc pour les raquettes, quand on démarre, c'est pas la peine d'aller acheter des super raquettes. On va à Decathlon, j'ai des raquettes à fond la forme à 15 €. Donc pour démarrer, ça, suffit, quoi, ça ouais. Suffit largement. Après, évidemment, quand on commence à être un petit peu plus entraîné, s'acheter une bonne raquette, ça fait toujours plaisir parce que les cordes sont pas tout à fait les... Même, tendu pareil, enfin il y a oui, il y a plus de qualité. Voilà, il faut la raquette vibre pas. Bon, il y a quand même voilà. Donc ça se joue en plusieurs jeux. En Voyard Roland Garros, donc c'est pour les garçons en 3-7 gagnants et pour les filles en 2-7 gagnants. D'accord. Voilà. Donc à Tarbes, on veut jouer au tennis, donc c'est à peu près par personne 200 € l'année, 200 à 300 € l'année, ça dépend. Ça reste abordable. C'est quand même abordable. On a un badge ou des clés, parce qu'en fait, on peut évoluer sur 9 cours. Donc il y a 6 cours extérieurs. D'accord. Et 3 cours intérieurs qui se trouvent derrière la Foire Expo. Ok. Les cours intérieurs. Et les autres, ça se trouve à côté du Jardin Massé, juste derrière le Jardin Massé. D'accord. Voilà. Donc ça s'appelle l'UAT, donc il y a l'adresse et voilà. Le numéro de téléphone qui sont en train de s'afficher. Juste en dessous. Et on n'oublie pas que dans Qatar, on a quand même les petits as. Mm. N'oublions pas ce qui s'est déroulé voilà. Là, il y a quelques semaines, voilà. Fin janvier. Ouais. Voilà, exactement. Avec les Gypsy Kings. Et ça, voilà, je pense que c'est ce qu'il fallait retenir oui. Des petits as. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Elena. On va donc tous se mettre au tennis, enfin surtout toi, parce que tu as déjà une pratique, tu as déjà un passé. Voilà. Pendant que Elodie va aller s'installer dans son petit établi du bricoleur, nous allons tout de suite admirer son jingle qui a été fait avec. Amour. Gloire. Et beauté. Alors pour commencer ce petit DIY, donc do it yourself ou fais-le toi-même, donc faut que vous preniez une vieille paire de chaussures, il vaut mieux. Donc moi, vous voyez, c'était violette avant. Mais pour préparer ce DIY, je les ai déjà repeintes avec de la peinture acrylique parce que pas besoin de peinture à tissu, de la peinture acrylique ça tient très bien. Sur cette chaussure-là, je vais plutôt faire une pluie de petites paillettes bleues puisque j'ai pris du vert bleu iridescent. Comme le rose, en fait. Parce que j'aime bien quand ça brille. C'est joli. Bon, alors, pour ça, il vous faut de la peinture, des chaussures et une brosse à dents. C'est celle d'Eric. Non? Ah ouais? Ah ouais? En fait, je m'en mets plus sur le doigt. Non, il y en a, elle dit si, elle s'assoit. Ça fait de la paillette, quoi. Bah ouais. Strigarly.
Donc ça c'est chouette, bientôt c'est les vacances de Pâques. Et vous pourrez faire avec vos gamins voilà, cette petite activité pédestre. Chaussurale quoi, enfin, vous voyez. Et ce qui est très bien donc, avec la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche très vite. Donc par exemple là quand j'ai pré-peint les chaussures, en 10 minutes elles étaient sèches. Donc c'est plutôt pratique pour les enfants qui sont très impatients, comme moi. Donc voilà, maintenant j'attends plus que ça sèche et c'est bon. Je pourrais les mettre pour aller jouer au tennis. Merci Lo, c'est super, donc viens nous rejoindre. Enfin, je vais te parler comme ça, comme si on avait un studio, tu sais. Tu me faut... Hein ? Voilà, vas-y, assieds-toi. Il est très grand, mais j'avance très vite. Donc, écoutez, les amis, on a parlé un petit peu relooking de chaussures, on a parlé un petit peu de sport. Moi, je vous propose que maintenant, nous passions au réconfort et que nous allions manger un petit bout. C'est avec notre ami Véro, vous le savez, que nous allons retrouver tout de suite dans sa cuisine. Enfin, tout de suite, juste après... Ce jingle, c'est parti. Salut Véro, comment ? Ça va ? Ça va. Elena, Véro, enchantée. Enchantée. Alors on attaque le mois de mars avec Véro, et ça, c'est toujours une bonne idée pour attaquer un mois de mars. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau ? Enfin, qu'est-ce qu'on va préparer de beau ? Alors bon, on arrive à mars, on va arriver sur la fin de l'hiver, on est un petit peu fatigué, on va réattaquer une nouvelle saison. Donc moi je propose un smoothie, c'est pas nouveau, mais anti-fatigue on va dire, ou fin de journée, voilà. Donc dans mon smoothie aujourd'hui, mais toujours des végétaux, voilà, ce qui me ressemble bien. Des végétaux, aujourd'hui je vais rajouter des baies de goji. Voilà, les baies de goji, c'est un antioxydant, c'est très bon pour beaucoup de choses, pour la vue, pour la peau, pour la digestion, et, etc. Vous aurez un petit peu plus de détails sur ma recette. Je vais intégrer des flocons d'avoine. Pourquoi ? Parce que c'est un aliment qui réchauffe. Donc, on a encore un petit peu froid au mois de mars. Oui, donc, complètement. Ça tient pour encore. Bon, mon sirop d'agave habituel. Et un petit peu d'amande pour le calcium. Et puis, nos fruits. Et un petit peu de verre aussi, des épinards. Comme ça, ça nous fait... ça peut être aussi un smoothie qu'on peut emporter dans un bocal. Et puis, le boire en cours de route, etc. etc. Voilà. D'accord. Et des grenades. Alors voilà, grenade, j'adore. Alors la grenade aussi, c'est beaucoup de vitamine C, ouais. Et un très très bon antioxydant. Voilà, donc pour les périodes de grippe, etc., il est conseillé de manger un petit peu de tout ça. Voilà, alors je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais ça atténue beaucoup de choses, je pense. Et puis préventivement, voilà. C'est bien aussi, parce que si on peut éviter, c'est toujours voilà. Ça de prix. Alors après, donc j'ouvre ma grenade. Est-ce que vous savez choisir une grenade ? Pas du tout. Pas du tout. Alors j'ai pas la deuxième, j'aurais dû y penser, mais bon, on va imaginer qu'il y en a une deuxième. Donc en général, on en met une dans chaque main et on choisit la plus lourde. Donc c'est la plus mûre, voilà, tout simplement. Les grenades se choisissent comme ça. Donc on coupe la grenade en deux. On va, voilà, celle-ci est pas mal. Voilà. Alors, on va récupérer quelques petites graines. Là. Donc, ce smoothie-là, c'est toujours pareil. Les smoothies se font quand même assez rapidement. On va chercher les épinards. Alors l'association toujours des légumes et des fruits, c'est ouais. Très quand même, ça aide aussi à digérer. Et quelque part, vous pouvez le fait d'associer un peu de verre, vous allez pouvoir peut-être le faire aujourd'hui pour demain. Voilà, il ne va pas perdre trop de ses vertus. Alors on va mettre une petite banane pour un peu de potassium. Et oui. À savoir qu'une banane par jour, ça fait du bien. C'est très bon pour le cerveau. Pour la mémoire, la concentration, les kiwis aussi d'ailleurs. Voilà, un petit kiwi. Ça aussi, c'est de la vitamine C. Là, par rapport aux quantités, Véro, tu as mis un fruit de chaque à peu près. Là, on va faire à peu près, si on prend mes verres là, on va faire quand même deux jolis verres. D'accord. Allez hop, pour le kiwi. Un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Ça vient. Alors, je vais prendre un petit peu de flocons d'avoine. Donc, l'aliment qui tient chaud. Ça,
ça, bon, je le mets dans mon smoothie aujourd'hui, mais enfin, vous pouvez quand même très bien le mettre dans vos soupes, ou saupoudrer des légumes, ou voilà, ou même dans vos yaourts, ou petit déjeuner. Hein. Celui-ci, il est naturel. On va mettre une cuillère de baies de goji. Les baies de goji, ben, il est conseillé d'en prendre une cuillère par jour, avoire deux, tout dépend. Voilà. Vous pouvez les faire tremper aussi, vos baies de goji, dans de l'eau et boire l'eau en suivant. C'est pas obligé de les mettre que dans les smoothies, vous les mangez tout à fait sèches. Et on peut cuisiner avec, faire des cakes avec des baies de goji, etc. Mais ça se peut se manger comme ça hein? Ah oui. Oui, bien sûr, très souvent on les mange comme ça, hein, en première. Ça fait penser à du raisin sec au début. Et après, il y a un petit arrière-goût un tout petit peu plus acidulé, un peu comme... Voilà. Mais après, vous pouvez vous en servir comme des raisins secs. Hein. Il est vraiment bon. Ouais. Voilà. Oh, non, ça fait pas ça. Alors, on va dire très peu, un petit peu de sirop d'agave. Voilà, et pendant que Véro finit de nous préparer ces petits smoothies que les filles vont goûter, eh bien, je viens vous dire que c'est l'heure de nous quitter très bientôt. Mais avant, vous pouvez retrouver Véro, vous le savez, pour ses ateliers culinaires extrêmement demandés de manière internationale. Vous pourrez la retrouver avant l'international à la Biocoop, ce sera mardi, pas du tout, puisque ce sera un samedi en fait. C'est quelques jours après le mardi, vous voyez le calendrier ? Voilà, c'est 4 jours après. Donc, ce sera le 12 mars. Un atelier lunchbox pour apporter votre déjeuner au bureau. C'est toujours pratique d'avoir sa petite lunchbox. Voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et de nouveaux chroniqueurs. D'ici là, bonne semaine à tous et bonne dégustation. En général, quand on voit Roland Garros, c'est 3 sets gagnants, c'est un 2 sets gagnants plus un set. Je me suis perdu. C'est pas grave, on reprend. C'est 3 sets gagnants. C'est 2 sets gagnants. Non, mais justement, c'est quand on voit Roland Garros, c'est 3 sets gagnants. Mais c'est 3 sets gagnants. C'est 2 sets gagnants pour les filles. C'est ça ? Ouais. Oui, 3 sets gagnants, puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 5. Oui, voilà. C'est 3 sets gagnants. Oui, voilà. Parce qu'elle peut faire 1-1, 2-2, et puis 3-2. Ouais. Tous les maxi. C'est quoi ? C'est dans 15 jours les vacances, je crois, donc un peu plus. Il y en a combien, là ? Ah non, pas du tout, c'est passé les vacances. C'est le week-end de Pâques qui vient bientôt. Il y a les vacances d'avril. On est quoi, là ? Oui, on est le 7 mars, donc ça devrait arriver bientôt. Ah oui, c'est après. Enfin bon, en tout cas... On arrive à savoir quand sont les vacances. On est mort.